Attention Alice, hein. Attention Nalimon, il glisse. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment il est? Alors aujourd'hui, dans ce superbe environnement, tu devines un petit peu où ça nous peut être. On va dire tout de suite, nous sommes du côté de Sainte-Rose et nous ça faire quoi aujourd'hui, Daniel? Ben, nous a découvrir ce que fait la famille Jeannette. Le garçon, le papa, c'est un peu comme un G7 famille ça. Et n'a même le moment. Donc là, nous avons surtout cette culture autour de la vanille IGP. Et je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps, non? Non, parce qu'il y a ton anou, c'est un petit coin charmant. Ryan, il y a ton anou. Allez, on y va. Allez, tout ça va. Côté mamaï. Ah, ben, on a des ordres. Nous la suivons, non? T'es pas trop dur, non? Ça va? Non, bonjour, Ryan. Bonjour. Comment ça va? Lila, tranquille. Lila? Bonjour, Daniel. En forme? Ça va, super. Côté la route est longue, hein? Ah, depuis la route ou soit depuis le sentier? Ben, un peu des deux. Des deux, hein? En plus, voilà. Pour qu'on boit un café, rien. Ben côté, oui. On l'a préparé un petit café pour ça. Ah. Et pas que un petit café. C'est vrai? Oui. Ça nous l'a dit hier, là. Déjà surpris. Un magnifique. Ah, bien, pas le fouillé à pain. T'es là, m'a fait un petit feuillet à pain au sel pour ça. Donc, la casser, la nettoyer, la là. Mettre sur mais le feu. Mais le sulfure, t'es là? Ah, ben écoute. Allons garder. Allons garder, allons. Oh, baba. Les ah. Juste à point. Ah, oui. Salé, quoi, ça? Sucré, salé? Salé. Au matin, salé les meilleurs. Ben, il dépend des gens. Il dépend des gens. Voilà, oula. Mais il m'y pense que salé, il passe bien. Ah oui, m'y pense aussi. Quand on visite son habitation, m'y pense que le voilà. Salé passe super bien. Ah, vu le salon, comment il y a qu'il nous là, il fait chaud. Ça. Merci, merci. Vous connaissez, nous ici, nous mettons la vanille dedans le sucre. Oui, oui, oui. Mais ici, quand, des fois, on n'a pas le temps, quand les invités arrivent du CIO, ben en fait, on prend la gousse de vanille et on tourne au café et on a l'odeur qui sort. C'est le cuillère alors, on veut dire? C'est le cuillère. Donc, il fait combien de temps couler ici, Ryan? Le terrain a été pris en 2014. 2014, alors? 2014, depuis d'accord. 2014. Mais ça n'est pas dans la culture de la vanille depuis 2014, c'est bien longtemps, ah, depuis non? Très longtemps, depuis papa, il a grandi dedans, lui. D'accord, OK. Puis, ben, sa famille avant, hein, et ouais. Grand-père, ça y a grand-père, tout ça. Et... Donc, de génération en génération? De génération, voilà. Ah, arrête, qui s'y arrive? Ah. Ah, mais le patriarche arrive! Ah, la sortie! Quand il arrive, va m'arriver avec un papa, il y a un vieillard, hein? Moi, c'est Antoine Jeannette, moi, né bois blanc. J'ai toujours travaillé, mon papa a été à l'école, moi, normalement. J'ai travaillé avec mon papa dans les champs, j'ai fait les fleurs. Je n'ai pas parti d'école du tout. Il boit un affaire, il boit de café, il fait un affaire dedans. Ah, fini, bien accueilli, le garçon est bien élevé, monsieur Jeannette. Ah. Qu'est-ce que tu as fait, cuire là? Un petit fouillis à pain au sel, papa, pour Banna. Le couvert, pardon. Ah, je suis dit là, mais ça, mais ça sort. Vous l'arrivez à l'air, là. Ben, vous l'avez senti l'odeur l'arrivée. Et là-dedans, il n'y a que de sel, poivre, de l'huile. De l'huile, c'est tout. Quand même. Ben, comme à l'ancienne, hein. Comme à l'ancienne. Ah, il est bon. Ça, vous connaissez, hein, ça pas bon qu'il fouille à pain comme ça, ça, hein. Ça, il fouille à pain bleu. Fouille à pain bleu. Oui, le gros, il est belle comme ça, il est posture comme ça. De toute façon, on connaît, il y en a encore, la marmite est pleine. Ah ouais. Oui. Et puis ben maintenant, on fait un petit tour, visiter un coup l'exploitation, si tu veux bien. Ah ben. La charge à nous en énergie, là. Allez, là, nous les armes, nous là. Bah, ça, c'est une jeune vanille. Combien de temps, Nena, ça? Là, 2 ans, Médiao. 2 ans, Nena, là? 2 ans, parce que moi, la plantée plus avant, la plantée, la vanille. Tu peux pas pousser, t'es là, parce que les palmiers, c'est trop touffé. On m'a toujours vu papa occuper la vanille, que ce soit pour le monde, en dehors ou pour lui-même, dans la cour. Pour avoir une belle grappe de vanille, il faut à peu près une dizaine de gousses. Ah oui, si je veux travailler la vanille, comme bon, là, il prend la vanille bio. La vanille, elle est toujours bio. Oui. Parce que là-dedans, il ne met pas des herbons là-dedans. Cette appellation-là, vanille IGP, je trouve que c'est une belle reconnaissance pour la tradition de la culture à la vanille du côté familial. Du côté régional et surtout particulier bois blanc. La culture de la vanille, ben, elle est ancestrale, ça. La vanille, c'est un emblème historique. Ça va depuis Albius jusqu'à aujourd'hui et que là, fait vivre pas mal de familles. La vanille, il faut planter sur la roche. Si on plante dans la terre, il coupe la liane vanille. La vanille, c'est très délicat. Normalement, ça, pour défricher, c'est les hommes. Pour faire entretenir un peu de vanille, c'est les femmes. Nous avons des savoir-faire et il faut que nous gardions ce savoir-faire et que c'est nous qui prenons en main ce savoir-faire
Et quand il prend en main, c'est de la production à la valorisation. C'est les hommes qui animent ça, qui fait qu'il réussit, qu'il ne réussit pas. La coopérative, moi, je trouve qu'elle apporte quand même pas mal de choses. Déjà, un soutien, une logistique, une reconnaissance du produit que vous faites. Il met en avant vraiment ce qu'on produit. Voilà. On m'a toujours dit, un des emblèmes de La Réunion, c'est la vanille. Ryan, mais quand on écoute papa causer comme ça, là, ben c'est un encyclopédie. Totalement. Totalement. Il trouve que il est important de capter tout ça, il dit. Et puis, il pense que c'est une manière de faire familiale qu'il faut y continuer. De l'agriculture, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a une connexion particulière avec la nature. On est à la main dedans, on est dedans toute la journée. Et il trouve que, voilà, franchement, elle est agréable. Ben là, on est très bien installé. On a un point de vue magnifique ici. Hein? Merci beaucoup. C'est joli comme bureau. Hein? Ah, ouais. Et là, voilà la petite pointe devant, ça la coulée dessus, ça, devant les noirs dessus. Là. Ouais. Ça, c'est la coulée tremblée, il vient de couler le dernier coup. Là. 2007. D'accord, ok. Combien? 2007, papa. Ah oui, 2007. 2007. Mais voilà la pointe, hein? Des fois, vous voyez qu'elle blanchit. Hein? Le bateau, là, t'es là. Et voilà. Ah, bon bateau que l'a jamais tiré là. Ah, oui, d'accord. Avant, tu vois bien, t'es là. Et donc, du coup, quand le volcan il coule, t'es là, tu vois tout là alors. Magnifique, même qu'on voit quand il rentre dans la mer, comme ça, elle est très jolie. Et là, ça, c'est le terrain que vous l'avez dit à nous tout à l'heure là, que vous l'avez nettoyé, que vous l'avez cultivé pendant le Covid, c'est ça? On a planté un petit peu tout. Il y a dessus, il y a de citrouille, il y a concombre, chou, piment, sous l'Iberny, Daniel. Sous Bringel, là. Et un peu de nouvelles, tomates, un petit peu de tout, quoi. Qui se passe à la cuisine, là? La cuisine, c'est moi qui va passer là-haut, pour l'instant. Ah, c'est où il passe à la cuisine, alors? Donc, tout le produit qu'il nous récupère ici, nous emmène dans la cuisine. C'est ça. Et ça, c'est pour de consommation personnelle? Personnelle. D'accord. Daniel et Alice, attendez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Mais ça casse fouille à pain, le pilier juste à côté. Ah, ben, elle est bon, ok. Ah bon, qu'est-ce que ça nous a fait fouille à pain, nous, là? Ben, pourquoi pas en dessert, un petit fouille à pain avec la vanille dedans. Ah, c'est pas mal, va dire ou non, hein? Un allez. Coup salé, un coup sucré. C'est ça avec papa ou là? Mais on tout seul. Allez, dis-moi, ça, il faut me casser. Bon, allez, au revoir, au revoir. Nous gardons de loin. Ah, ça, tu vois. L'autre à côté. Ah, oui, dans la paille. Bon. Monsieur Jeannette, qu'est-ce qu'on fait? Ça a coupé le chou-de-quoi pour nous manger 11h. Ah, d'accord. Parce que ce chou-de-quoi là, ça m'a planté dans la bonne. Il y en a coco et va quoi se planter dans tout le bord montant. Bon, ben nous laisse à où, bon, nous laisse à où le chou de vaquois alors. Un petit peu, hein. Bon, parce que vous connaissez un chou de vaquois, comment il est interdit de couper. Parce que gratte forêt, il arrive là, si vous coupez un chou de vaquois, ça normalement il coûte plus cher par le miss. Parce qu'il nourrit beaucoup de monde ça. Ça, c'est un machin artisanat, il travaille là-dessus. Là-dessus, les feuilles comme ça, il y en masse pour faire de bertel, pour faire de tente, pour faire de. Un sac pour Kalechi. Avec ça, et avec ça aussi, il me fait la corde pour mes pieds de vanille. Vous comprenez? Parce que moi, je dois couper parce que c'est moi qui l'ai planté. Il coupe, hein? Il est bon. Bonjour. Vous bien? Ben, ça va bien. Ami, on a une bonne occupation là. Ah oui. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un lapin à la cour et fumé. Ah d'accord, ben, il y a cache à nous tout ça là. Quand les nous vient faire un tour dans surprise, la vanille. Hein? Surprise, surprise. Ah. Donc, il s'est fait aller comment là? En civet. En civet? Voilà. Bon, ben ok, ouvrez un coup de main peut-être. Oui, bien sûr. Bon, et Ryan, on a un service. Et Ryan avec Daniel, Milès, ça te fait un petit tour là-haut. C'est bon. Bon, ben à tout à l'heure. Hein? Ça travaille un peu. Bonne cuisine à ça. Hein? Bon, Madame Jeannette. Oui. Là, où ça prépare à nous le lapin comment, là, aujourd'hui? Ben, mais ça fait un civet. Avec la bière.
Avec la bière? Oui. Ah bon? Oui. Civet avec la bière? Ben oui. D'accord. Les bons, hein, les plus digestes en fait. Ah, les plus légers? Voilà. D'accord. Et ça, c'est une recette coûtée que c'est où l'inventer ou bien? Ben moi, je l'ai mis comme ça parce que moi, je ne supporte pas le vin rouge dans un civet. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai mis avec la bière, mais il a bien un petit peu d'alcool aussi dedans. Oui. Il est délicieux. D'accord. Ben écoute, ben, ça sera une première pour nous aujourd'hui. Hein. Et ici, sur l'exploitation, où fait quoi exactement avec Ryan et M. Jeannette? Ben, c'est Zot qui fait le plus gros. Mm. Mais moi, disons, peut-être cette année, m'a fait les fleurs. Oui. Et puis, ben, on a de. Il y a piment, tout ça, on va pas mis à ramasser. Ah oui, m'a ramassé un petit peu aussi ce matin. Oui, maintenant, un peu dans ma poche. Ah d'accord. Eh bien, mais s'il gratte ou s'il brûle. Non, il est bon, inquiète pas. Il est bien cachette, il est. T'as la madame à un petit sachet. Eh bien, voilà. Et donc, la vanille, en fait, où occupe à où des fleurs, c'est ça, de la partie fleurs de vanille. Voilà. Mais il y a 2 ans, m'a pas fait parce que. Ben, elle m'avait de problème pour descendre en bas, quoi. Et donc, la vanille, est-ce que nous, ça retrouve la vanille dans te lapin, là? Ah non. Mais pas vanille non, dans le lapin. Non, non, ni dans le lapin, ni dans le poisson. Ni dans le poisson non plus? Ben, dans quoi on fait ou, Ben, moi, on retrouve la vanille dans un gâteau banane, m'a fait. Un gâteau banane, oui. À la vanille, d'accord. OK. Bon, là, nous la rentre un petit coup en cuisine, M. Jeannette. Dis-moi un petit peu qu'on s'entend de préparer là. Carré chou de vacua. Ouais. Là, on met les épices dedans. On met les épices, les oignons. Oui. Après, on met les assiettes un peu rougir là. D'accord, OK. Après, on met toutes les épices qu'il faut dedans. Le thym, le tomate, les oignons, le lard, le gingembre. Ouais. Mettre tout dedans. Après, quand le tomate est fini cuit, il vient faire. Et le safran aussi, sans oublier. Monsieur Jeannette, alors, dis-moi un petit peu comment on la prépare le chou de vacua, là. Le chou de vacua, m'a lâché dans le sel. Ouais. Des sels, vinaigre. D'accord, OK. Le vinaigre, il est fait pour empêcher rougir. D'accord. Le sel, pour tirer l'amertume dans le vacua. D'accord. Et après, il passe sous l'eau. Oui. Il perce. Pour lui laisser. D'accord, ok. On laisse plus de l'eau dedans. Ah non, faut pas laver. Le pire, ça dit vraiment à sec. À sec, vous voyez, comme il est là, vous pouvez. Voilà, il y a connu. Ah ouais, comme un rougaillement, quand vous faites un rougaillement, etc. Oui, on mettait un peu à tremper. Le pareil qui colle, qui jacque. Là, mais ça met de chez quoi? On va mettre italien un petit peu là, parce que quand la paix, ça lie avec la main. Non, parce que si mes mâches, pas les bâtir en boule dedans comme ça. Il ne mélangera pas bien, il faut prendre un peu plus le temps pour mélanger. Allez. Ah, elle avait un joli petit paquet, hein? Ben, moi, page tout, pas vu le gourmand, elle m'a laissé là-bas encore. Ah non, quand même un peu là-bas, alors, d'accord. Ah, non, ben, ouais, là-bas, mais là-bas, c'est faut râper. Oui. T'es un coup de rougail, je dois quoi? T'es là, arrêtez. On va voir s'il est bon, s'il veut manger. Et quand, comme un dallon à moi, il dit quand il fait beau, là, c'est là que Daniel y goûte, hein? S'il manque une affaire, lui dit tout de suite, profite de moi, mets encore chaud. S'il manque des sels, il met des sels dedans. Moi, pour moi, le sel est bon. Le piment, il arrive derrière. Il manque un peu de riz. Mais il manque de riz? Oui. Ah ben, on va trouver tout de riz. Faut bien nous mettre à nous à table, non? Ben oui, non, non, on n'a pas été à table. Bon, là, Ryan nous a attaqué le dessert. C'est ça, le dessert. C'est fruits à pain, au sucre. À la vanille. À la vanille. Donc, la mi-voix. On l'a déjà mis dessus, oui, tu veux? Oui, pour un petit peu plus à l'avance. Ah, là, il flamme bien. Hein? Là, les mais quand là, comme tu vois, hein, là, il est dans un bon degré d'ébullition. Laisse-les réduire, laisse aller de l'eau de sang dedans. Et puis après, ma fille déjà prépare la vanille. On va mettre la vanille dedans. Mamaï. Maintenant, nous les lieux de manger un petit peu, restaurant nous un petit peu. Vous avez paré, mais plus c'est pas tant une affaire. Ah ben, même plus que paré, même les prêts. Quiche aux légumes avec lardon dedans. Merci. M'a prendre un instant, moi. Et ça, c'est maman l'a fait? Maman l'a fait. Elle m'a bien qualifié. Oh là, on dirait. Ouh, regarde-moi ça, le petit côté croquant, la mamaille. Merci, Ryan. C'est bon, moi. Comme ça, il y en a dans 4 ans. Il y a 7 de mariage. Combien d'années de mariage, là? 50. 50 ans? 50. Oui, 50, ils viennent dire.
Vous n'avez pas d'accord? Il m'a 60, il m'a 60. Il m'a fait là-bas, moi. Ça fait une 60, là? Passe d'abord 50, non? 50 avant. Là, c'était le petit l'entrée, mais tant mieux, puis t'as passé à la suite. Ouh là 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 là. Mon plaisir, Yann. On va tirer Daniel, les réceptifs à ça, hein? Oui, oui. C'est nous mange, hein. Il arrive tard, hein. Ah oui, il faut manger parce que l'heure finit passe la date, là. Nous là commencé avec fouille à pain au sel, et là nous finit avec fouille à pain au sucre avec une gousse de vanille dedans, avec la vanille. Ah ben ça, allez, allez, annoncez la vie, annoncez la vie. On l'a pressé ou là? À quoi ça? Ah bon. En plus, là, il y a une petite. Nous arrivons à la fin de notre belle histoire avec la famille Jeannette. Ben moi, midi à saute. Bon appétit avec ce beau dessert, un fruit à pain au sucre à la vanille et un gâteau banane à la vanille. Mina Sassot, juste regarder. Et Midi Sassot, à la semaine prochaine. Allez, on se retrouve. Hein. Bye bye.